continue. Salut à tous, c'est Ralga pour ce 6ème épisode de Regarde dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc on reprend là où on en était. Donc je viens de sortir de l'Océane à Carmin-sur-Mer et donc j'ai récupéré la CS Coupe. Donc je vais pouvoir aller taper le Major Bob. Donc je fais un peu de stock d'abord, hein, donc des super potions. Voilà. Et en fait, comme j'ai pas ce qu'il faut en Pokémon pour aller taper les Pokémon électriques du Major Bob, je vais aller chercher un Topicœur. Hop, un petit Topicœur vers le level 20, ce serait pas mal. Level 15, un peu trop faible pour moi. Je vais voir comment il prend des dégâts. Ouais. Ah, saleté! Petit-fils de sa maman. Hop. Ouais, ok. Donc je disais un Topicœur vers le level 20, ce serait pas mal. Un Triopicœur, ce serait encore mieux, mais c'est assez rare. Ah, bah, ça c'est pas mal. Bon, bah, on va essayer de le capturer. Hop. Bordel. Ce troll, il s'est enlevé la moitié de sa vie avec la folie. Bon, encore un Topicœur, hein. Forcément, il n'y a que des Topicœurs et Triopicœurs. Level 19, bon. On va essayer de le choper, celui-là. Hein. Ah, bah fais tunnel si tu veux, de toute façon, ça va pas m'atteindre, je crois. Oui, parce que c'est un Pokémon vol, Papillusion. Pokémon insecte vol, je crois. Donc les attaques sol ne m'atteignent pas. Plutôt faire charge. Hop. Allez, je vais... Purée, pas pu l'endormir, elle a fait tunnel avant. Bon, ça m'atteint pas, toujours pas. Hein. Poudre dodo. Un dodo le Topicœur. Hop. Donc Topicœur capturé. Donc bon blabla, description, tout ça. Surnom à Topicœur, non, toujours pas. Donc maintenant on va pouvoir ressortir. Voilà. Du coup, il va falloir que j'enlève un Pokémon de la team. Hop. Hop, je vais stocker... au singe qui va mettre le moins utile et qui est le plus bas level, et je retire le Topicœur level 19 qui devient du coup de fait le Pokémon le plus fort de ma team. Hop hop, tam 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 tam. Hop, la super pêche. Et du coup, je vais maintenant pouvoir aller taper le Major Bob. Donc, je mets le Topicœur en tête.
Mister Piacoupe, oui, c'est ça. Donc maintenant, nous allons devoir nous amuser avec les boutons. Donc le principe de cette arène, c'est qu'il y a deux boutons cachés dans les poubelles. Donc voilà, j'en ai trouvé un. Le deuxième bouton, du coup, est dans une poubelle à côté. Donc pas dans celui-là, et du coup, les boutons ont bougé de place. Donc j'espère juste que ça va pas me troll. Donc un joli tas d'ordures. D'accord, le bouton était au même endroit. D'accord, c'est... merci de contredire ce que je disais. J'ai toujours pas trouvé le deuxième bouton. Ouais. Hop. Ah, un bouton. C'est encore dans la même poubelle. Purée. J'en ai marre. Bon, il n'est pas encore une quatrième fois au même endroit. Ah. Bah, je dirais bien au-dessus. Gagné. Bon, finalement, ça a été assez rapide. Parce que ça peut être assez troll et assez pute comme système. Donc, je vais inviter tous les dresseurs de l'arène et je vais aller directement taper le Major Bob. Le Major Bob qui n'a pas les mêmes Pokémon que dans les versions bleues et rouges. Pour coller. Pour mieux coller à l'animé. En effet, dans la série animée, le Major Bob a un Raichu et uniquement un Raichu. Et donc dans Pokémon Jaune, c'est pareil. Seulement le Raichu est level 28. Mais avec Topiqueur, ça devrait passer assez vite. Ok, enlève-moi de la force si tu veux. Hop. Ouais, je lui enlève un tiers de vie. Utilise vitesse plus si tu veux, ça me sert à rien. De toute façon, c'est déjà toi le plus rapide. Rugissement, ok. Hop. Et encore rugissement, donc je vais même pas prendre un seul dégât. Hop. Voilà, j'aurais pu me prendre Ultima Washi ou Dynamo Point, mais non. Bah voilà. Le Major Bob est vaincu en moins d'une minute, je dirais. J'ai pas regardé le timer. C'était vraiment très très difficile. Hop. Donc la CT24 qui est tonnerre, oui c'est ça. Je ne vais pas l'apprendre à Pikachu parce qu'il l'apprendra lui-même quand il gagnera des niveaux. Je sais plus à quel level. Donc je vais la garder dans un coin pour un autre Pokémon. J'ai déjà ma petite idée à qui je vais l'apprendre, mais de toute façon je n'ai pas encore le Pokémon en question. Hop, donc on va re-soigner tout le monde même si j'ai pas perdu de dégâts. Enfin perdu de vie, pardon. Mais c'est pour le principe. Hop. Hop, et on va sauvegarder. Donc nous sommes à 2h49 in-game time. Nous sommes déjà quasiment une heure de retard par rapport au record du monde. Effectivement, le record du monde est à un peu moins de 2 heures. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il me semble qu'il faut que je récupère le bon pour la bicyclette. Qui doit être dans la maison à gauche là. Ici, c'est ça. Hop. Bla bla bla. Fan club Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Tu vas encore savoir toi que c'est mes Pokémon. Allez, vas-y, bla bla. Hop. Hop, le bon pour la bicyclette. Hop. Ah mince. Oh purée, non, non. C'est bon, j'ai déjà entendu ton blabla.
Du coup, maintenant, je vais remonter à Azuria. Mais avant, je vais prendre... est-ce qu'ils en vendent ? Oui, je vais prendre des repousses. Beaucoup de repousses. En effet, je vais essayer de passer le moins de temps possible dans la grotte. Hop. Parce que maintenant, il faut que j'aille... qu'est-ce que je peux vendre ? Super potion 11, d'accord. Ah ouais, j'en avais déjà pris avant d'aller à la grotte Topiker. Faut que j'aille chercher Flash aussi, quand même. Repousse. Hop. Pour avoir un peu la paix. Ça devrait repousser. Ça repousse normalement les Pokémon les plus faibles. Je sais pas ce qu'ils ils appellent les plus faibles, mais... Hop. Bon, je repousse pas tout, donc. Oh, un trio piqueur. Level combien? Oh, toi, tu es à moi. Toi, tu vas être à moi. Donc, pour avoir la paix avec les tunnels, on va envoyer Papillusion. Hop. Bon, ok, donc tunnel... Donc level 29, hein, c'est quasiment le double de mon Pokémon le plus fort. Bon, ça va être long par contre, hein. Hop. Allez, fais dodo. Bon. Ah d'accord, j'ai même pas eu le temps de... Ah mais je lui enlève rien, quoi. Ah par contre il me fait mal quand même avec griffe. Ouais bah en même temps il y a 14 levels d'écart. Ouais je peux pas l'endormir plusieurs fois. Hop bon. Non mais ça va pas être gérable, ça va être beaucoup trop long. Bon, au moins, j'ai pas le one-shot avec ça, hein. Hop. Oh, purée, là, j'ai le sable. Ça va être galère. Hop. Bon. J'aurais passé plus de temps sur ce trio piqueur que sur le Major Bob. Et j'espère que je vais pas le tuer. Oh purée, le jet de sable commence à faire effet. Hop. Bon, faut que je descende dans le rouge. Genre maintenant, c'est pas mal. Essayer de l'attraper. Ouais, la Pokéball, c'est un peu galère. Mais j'ai pas encore les Super Balls. Hop. Ouais. Faut que je réussisse à l'endormir en fait, mais... non, toujours pas. Fais des jets de sable si tu veux pendant ce temps-là, moi... Je spam deux Pokéballs. Ah non, mais c'est pas gérable. Faut que je descende encore un peu, mais j'ai peur de le tuer en fait là. Ah ouais, je l'enlève rien quoi. Mais c'est pas plus mal. Hop. Ah ouais, mais du coup il s'est pris plein de jets de sable dans la tronche. Ça va être compliqué. Ah purée.
Bon. Ça me gonfle. Ça me gonfle vraiment. Allez, non mais... Purée. Et un tunnel. Hop. Bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour attraper un Pokémon? Purée. Bon, je peux pas le rendormir, effectivement. Je peux rien. Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Non, pas une bonne idée. On va mettre Papillusion. Parce que là, le Pikachu va se faire ouest par le tunnel. Voilà. Allez, dodo. Non, mais. Oui, ça passe. Ouf. Allez. Allez, viens dans ma Pokéball. Allez, viens. Viens, on est bien. Eh ben, c'était bien galère. Hein. Ouais, donc blabla, description. Toujours pas de surnom. Hop. Donc j'irai le chercher plus tard. Là, en attendant, je vais aller chercher Flash d'abord. Hop. Ouais, donc du coup, le repousse m'enlève juste les Topiqueurs level 15, quoi, je pense. Pas au-dessus. Je suppose. Ouais, level 19, ouais, j'ai que les Pokémon de haut level et les Triopiqueurs. Hop. Voilà. Tatam, tadam, tam, tam, tadam, tam, tam, tadam, tam, tam. Hop. Et nous avons donc l'assistant du prochain. Bon. Hop, voilà. Si on a 10 Pokémon différents, il nous donne Flash. Alors, c'est dur d'avoir moins de 10 Pokémon différents à cette étape-là. Bon, maintenant, on doit se retaper la grotte Topiqueur. De toute façon, c'est soit se retaper la grotte Topiqueur, soit se retaper le Mont Sélénite et la forêt de Jade. Et honnêtement, j'ai pas envie. Je vais remettre un repousse. Hein. Hop. Hop, voilà. Allez, foutez-moi la pelle et Topiqueur. Ah, j'ai quand même fait la moitié de la grotte sans croiser un. Oh, comme c'est original, un Topiqueur. Que va-t-il faire? Va-t-il faire tunnel? Eh ben non, nous ne le saurons jamais. Hop. Blague. Un deuxième Triopiqueur. Alors, il faut savoir que les Triopiqueurs sont extrêmement rares. Ah oh. Ça, par contre, c'est pas cool. Je veux fuir. Oui. Je vais pas essayer d'attraper le deuxième, parce que vu comment j'en ai chié pour le premier. Hop. Donc, je disais, les Triopiqueurs sont extrêmement rares. J'ai eu la chance d'en croiser deux. Ouais. Ouais. Bon, en fait, je vais, je pense, remplacer mon Topiqueur par un par le Triopiqueur. C'est un peu à rien d'avoir le Topiqueur et le Triopiqueur. C'est pas très opti comme team. Hop, on va stocker donc Topiqueur.
Et on va retirer Trio Picker, qui a quand même 10 levels de plus. Pour l'instant, je vais... Je sais pas trop ce que je vais faire, en fait, de ma team. Nidoran, j'en aurais besoin. Enfin, je sais pas trop. En fait, j'aimerais bien up le Salamèche. Parce que la prochaine arène qu'on va avoir à faire, c'est l'arène des Pokémon plantes, l'arène de Céladopol. Et avec ma team actuelle, je vais un peu galérer. Hop. Je vais déposer une ligne de rang parce que finalement ça va être un poison sol, si je dis pas de bêtises, qui va pas me servir à grand chose sur l'arène des Pokémon plantes. Hop. Non, je voulais pas la description du Salamèche. Hop. Hop, donc on va remonter par le tunnel. Oh, un Roucoups. Un Roucoups qui s'appelle normalement un Roucou. D'après les la personne qui a fait l'adaptation française du jeu vidéo, Julien Bardakoff, si je dis pas de bêtises. Celui qui a fait la traduction en fait des personnages, des Pokémon, tout ça, tout ça. Ok, donc Salamèche mort. Et qui a dit en interview à un youtubeur, je sais plus lequel. Que le nom normalement ça doit être Roucou. On prononce pas le S. Sauf que dans l'animé ils ont dit Roucoups. Parce qu'il devait pas être là ce jour-là. En même temps il y a un S, pourquoi ne pas le prononcer? Et c'est resté. Bon. Pendant ce temps-là, moi je galère sur ce pauvre Roucoups. Oh purée! Non, 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 non. Voilà. Voilà. Non, le tunnel est ici. On peut pas aller à Safrania pour l'instant. Hop. Déposer de Pokémon à la pension non plus. Hop. Voilà, ça nous évite de devoir faire le tour. Et on va récupérer la bicyclette. Enfin. Un bon point de bicyclette. On va arrêter de se traîner. Oh mince. Voilà. Donc on va tout de suite... objet. On va tout de suite mettre la bicyclette en premier. Parce que sur la première génération de Pokémon, on ne peut pas mettre de raccourci pour un objet sur le bouton Select. Donc on est obligé de quand même tout le temps de passer par le menu. Hop, on va prendre Flash Up, Papillusion. Place de charge, ouais. Hop, voilà. Non. Ouais, je suis en train de faire un tri dans mes objets. Ah, purée. Mince. Donc, faut appuyer deux fois sur Select, hein, tout simplement. Plop, plop, plop.
Je vais mettre ce que je vais le plus utiliser en haut. A priori, les super potions aussi. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc on va soigner toute notre petite team parce que j'ai quand même perdu mon Salamèche au premier combat. Contre un Pokémon sauvage. Ce qui est un peu décevant quand même. Hop, voilà. La bicyclette. Et on est parti. Donc je vais repasser en bas par le truc avec coupe. Mister Bella. Voilà. Et donc on est parti pour la grotte. Donc à l'est d'Azuria, on a besoin de coupe ici. Hop. Donc non. Purée. Je vais retenir que c'est Mister qui a coupe. Hop. Hop. Bon bah allez. Hop. Premier dresseur. Là encore, je vais essayer d'éviter le plus possible les dresseurs. Misterbe. J'ai quoi en face? Un Salamèche. Ça devrait le faire. Hop. Avec Flamèche. Et puis même avec 8 levels de moins, c'est moi le plus rapide. Ah ouais. Bon. D'accord. Donc ce ne sera plus moi le plus rapide. Hein. Ce serait bien que tu brûles. Bah voilà, brûle. Oh. Hop. Ah, j'ai pas réussi à attaquer. Saleté. Hop. Comme il est que level 10, je peux utiliser les dernières potions qui me restent. Ce sera plus utile que de gaspiller une super potion. Hop. Bon, bah, je vais être original, hein, je vais faire une Flamèche. Hop. Voilà. Et là, il devrait mourir. Voilà. Un peu d'XP pour le Salamèche qui monte direct au level 11. Chitiflore. Donc, non, on va garder le Salamèche au moins pour l'XP. Une nouvelle potion. Fais croissance si tu veux. Oh purée, c'est un Pokémon avec ligotage. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode 4 où j'en ai chié sur les Pokémon qui ont ligotage. Purée. Tu me gonfles un peu, toi. J'aimerais bien pouvoir attaquer de temps en temps. Allez, encore un ligotage. Purée, mais... ça va vite devenir chiant, ça. Purée, puis il attaque combien de fois aussi? J'aurais utilisé toutes mes potions sur le Salamèche sur ce combat là. Bon, fais croissance. Refais croissance si tu veux, je m'en fiche. De toute façon, l'icotage, ça doit pas être une attaque spéciale. Hein. Refais croissance encore. Voilà. Allez, on est reparti pour un ligotage.
Bon, vu les dégâts que je me suis pris, c'est pas une attaque spéciale. Hop. Et on va le... je vais l'avoir à l'usure, hein. Allez, fais croissance si tu veux, moi ça m'arrange, ça me permet d'attaquer. Hop. Oh purée, paralysé. Allez, meurs. Même pas, quoi. Voilà. Et ben, c'est pas trop tôt. Ah, mais il faisait croissance, donc du coup, il gagnait du spé, mais aussi de la défense spéciale, du coup. C'est pour ça que j'ai galéré un peu. Bon, bah, on est reparti, hein. Flamèche, un petit une flamèche critique qui brûle. Ah, qui brûle pas. Je sais pas trop c'est quoi le pourcentage de l'altération de statut. Voilà. Allez. Ah, je sais vraiment pas c'est quoi le pourcentage de l'altération de statut. Hop. Bon, Mystère m'a toujours que Volvi. Et Parasport du coup je pense. Hein, qui m'a posé, m'a paralysé le premier Mystère du dresseur. Hop. Ah, il est pas mort. Non, ne meurs pas, 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 ne meurs pas. C'est bon, ça passe. Hop, voilà. Hop, c'est la mèche level 13. Chétiflore. Ça va encore être très très long. Hop. Allez, un ligotage. Un. Cette attaque est vraiment insupportable. Je sais pas trop quoi faire parce que si j'y reste au Salamèche, ça va être très 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 long. Voilà, bon, allez. Attaque encore. Allez, enlève-moi 3 PV. Ah non, 5. Ok, donc la fois d'après, ça passe pas. Bon, ça me gonfle. Oui, bah, poudre toxique, si tu veux, j'en ai rien à fiche. Allez, choc mental. Normalement, ça devrait lui faire du bobo. Hop. Oh purée. Bon, ça m'enlève que 2 PV. Tant mieux. Voilà, au revoir le chétiflore. Hop, Salamèche a gagné un level par Pokémon. Allez. Normalement, avant la grotte, il y a un centre Pokémon. Donc, on va y aller comme ça. Allez hop, j'en ai marre. Hop. On va utiliser ce beau trio picker. Super cafard, ça doit être un scout du coup.
Ouais, c'est un scout. Des chenipans et des chrysaciers. Ouais, chenipans. Que penses-tu de te prendre un gros tunnel dans la tronche? Hop. Allez, je parie que ça one-shot. Ça one-shot. Ce n'est pas très efficace. Hop, en fait, je vais essayer de d'up le Salamèche quand même au passage. Hop. Et on reprend le Trio Picker derrière. J'ai l'impression d'avoir récupéré un Trio Picker avec énormément d'attaques. Je sais pas si c'est... Parce que même s'il a 9 levels de plus, je suis censé avoir fait une attaque qui est pas très efficace. Ah ouais. Ah, celle-là par contre est très efficace. Ouais, parce que du coup, Chenipan est uniquement insecte, alors que Aspico est insecte poison. Du coup, une attaque sol est très efficace sur une attaque sur un Pokémon poison. Hop. Allez, viens me voir, Trio Picker. Ah ouais, ça m'enlève rien. Hop. Hop. Bon, scout, c'était beaucoup plus simple que le dresseur précédent. Hop. Nous sommes déjà à 37 minutes de vidéo. Oh purée. Ah, et je peux l'éviter. Moi, je pensais devoir me la taper. Enfin, de me la taper. De l'affronter, évidemment. Et voilà le centre Pokémon. Donc. Vu on en est dans la vidéo, on va pas tarder à arrêter. Hop. Et je vais stocker. Pop, 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 pop. Roukoul me sert un peu à rien pour l'instant. Et je vais regarder. Pop, pop, pop. Je vais reprendre le Nidoran. Tout simplement parce que je vais croiser normalement pas mal de racaillou. Et Nidoran a l'attaque le double pied qui est une attaque combat. Qui va m'être assez utile sur les Pokémon roche. Enfin, c'est une sécurité, il sera plus utile que le Roukoul avec ses attaques vol. Enfin bref. Donc on va s'arrêter ici, hein, partager cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Ivasound sur les réseaux sociaux, tout ça, vous avez les liens dans la description. Et puis à la semaine prochaine. Ciao !